Bonjour, je vois que je suis en direct sur Facebook. J'espère que ça fonctionne. C'est la première fois que j'utilise cette fonction. Et j'utilise ici pour faire ma toute première vidéo dans cette page From Passion to Business, si je peux, tu peux, pour te dire pourquoi je fais cette page et pourquoi, de quoi je vais parler. Donc, je m'appelle Gudrun et je suis professeure de danse orientale depuis 30 ans et coach du féminin sacré depuis 3 ans. Et donc, en fait, j'ai eu cette activité comme hobby depuis tout ce temps. Et à partir du 1er septembre, je vais être indépendante. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que je veux, comme je l'ai promis déjà à beaucoup de gens à qui j'en ai parlé autour de moi et qui sont venus vers moi parce qu'ils savent que je vais quitter mon travail pour me dire, mais Gudrun, comment tu as fait? Et ce que je voudrais, donc, c'est t'expliquer justement comment j'ai fait et aussi t'éviter tous les détours, toutes les erreurs, tous les doutes que moi j'ai eus et tout ce parcours qui a pris vraiment 3 ans de te pouvoir te l'accélérer, le raccourcir ou bien simplement te montrer que c'est possible de se lancer, de vivre de ses rêves et d'y croire. Et il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire, beaucoup d'obstacles qui peuvent t'empêcher de le faire. Et donc, je voudrais te montrer que si moi j'ai pu, franchement, il n'y a aucune raison que toi, tu ne puisses pas y arriver aussi, et peut-être un peu plus vite que moi. Donc, ça, j'aimerais bien t'aider. Ce que j'ai fait, où elle est ma feuille, ah ben voilà, elle a disparu. Super, je fais un Facebook Live et ma feuille disparaît. Ah ben, elle a volé. Parfait, il y a du vent ici. Ok, ben voilà. J'ai fait donc une petite liste de tout ce que je veux raconter. Ça me fait 24 épisodes. Je ne vais pas pouvoir dire, je ne vais pas vouloir dire tout maintenant, mais c'est vraiment très. J'ai réfléchi sur mon chemin à toutes les choses qu'il y a eu et ce qu'il y a à dire. Et ça va nous faire à peu près 24 petits épisodes ici. J'espère de le tenir de 5 minutes, quelque chose comme ça. Et donc. Et aussi pourquoi maintenant? C'est parce que bon, ben là, je vais être indépendante, donc ça se présente à l'heure actuelle. Et aussi, ma coach à moi qui m'a permis, que je suis depuis janvier seulement, qui m'a permis à faire ce pas, elle a un programme donc moi j'ai acheté en janvier, qui ouvre ses portes 2 fois par an et la prochaine fois, c'est fin septembre. Et donc, si jamais c'est quelque chose qui toi, pourrait t'aider comme ça m'a aidé, je pense que ce serait super utile. J'aurais bien aimé d'avoir, enfin, j'ai eu quand même quelqu'un comme ça, en fait, que j'ai écouté et qui était déjà en train de travailler avec cette coach. Donc, je pense que c'est, mais elle parle allemand. Donc, ça n'existe pas encore dans le monde francophone. Et donc, je pense que je suis bien la première à pouvoir en parler. Et si tu as envie, tu pourras comme savoir si tu as envie de travailler avec cette personne ou non, parce que je vais te raconter non seulement mon chemin et t'éviter de donner tous les conseils que je peux pour que tu puisses savoir comment te lancer, comment avoir tes premiers clients techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, qu'est-ce que moi j'ai fait, mais aussi de savoir si tu veux une coach avec un tel profil, alors qu'est-ce qu'elle t'offre et comment ça se passe. Et donc, je pense que c'est toujours super important d'avoir quelqu'un qui puisse raconter ça de l'intérieur et pas être là pour faire une pub. Hein. Donc, voilà. Alors, en vitesse ici, que je te dise ce qu'il y a là-dedans. Bah, la première vidéo que je la fais ici, pourquoi je fais ça, bah, ça, je l'ai expliqué. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai trouvé ma mission de vie. Après, comment j'ai fait pour développer l'idée, enfin, cette mission de vie, comment j'ai fait pour la mettre en route, quels sont les obstacles que j'ai eus à ce moment-là, les doutes, non seulement en ce qui me concerne moi-même, mais aussi des gens de l'extérieur, une fois qu'ils voient que tu bouges, alors tu vas avoir des résistances. Qu'est-ce que tu peux avoir, à quoi tu peux t'attendre et comment tu peux dépasser ça? Comment tu fais? Puisque bon, voilà, moi, visiblement, je l'ai dépassé. Les difficultés techniques, la procrastination, la distraction, comment faire pour être focalisé, quels sont les outils que j'ai utilisés pour ça, quels sont les livres, éventuellement les cours que j'ai suivis. Et aussi, cette histoire de se sentir tout d'un coup devant un truc inconnu et se sentir totalement perdu. Donc là aussi, je vais t'aider et te dire, voilà, ce qu'il n'est pas nécessaire de faire, hein. Du genre acheter tous les livres possibles, 36 000 livres sur la confiance en soi-même, l'intuition, blablabla. Beaucoup de choses comme ça.
Les difficultés techniques de réalisation, est-ce qu'il faut être super déjà sur Internet et savoir tout? Ben non, mais je t'explique en trois mots comment tu peux avoir, si tu as ton idée déjà de ce que tu veux faire, comment demain tu peux commencer à travailler avec des gens. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a vraiment pas besoin de faire comme moi j'ai fait passer du genre 6 mois à faire un super et investir aussi, super site web, etc. Non. Pas nécessaire, donc je t'explique ça. La visibilité, comment faire en sorte qu'on n'a plus peur de se montrer, ça, c'est pas non plus compliqué. Une fois que je te l'explique, alors tu vas vraiment, je t'expliquerai aussi quel exercice tu peux faire, etc. Enfin, je te donne tout. Hein. Le perfectionnisme, ouais. Quel diplôme dois-je avoir, quelle formation, est-ce que je dois attendre 10 ans à me former, etc. Pourquoi online plutôt qu'offline? Donc, quel est l'intérêt d'avoir un business online? Qu'est-ce que moi j'y trouve et comment je m'imagine mon avenir et quelles sont mes raisons? Tu en as certainement des pareils. Oui, et alors les mouvements online, ça fonctionne? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Donc, je t'explique comment j'ai construit maintenant mon cours de danse orientale online. Et donc, je te donne tout ça. Bien, quoi d'autre? Oui, bah j'ai, donc c'est beaucoup. Alors, je vais bien sûr parler de ce programme que j'ai acheté de dire voilà pourquoi, dans quelles circonstances je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté et qu'est-ce qui s'est passé depuis lors. Donc, ça, c'était en mois de janvier cette année-ci. Qu'est-ce qui était mon chemin depuis lors? Par où je suis passée? Quel support est-ce que j'ai eu? Comment cette coach fonctionne? Quelle personnalité elle a? Qu'est-ce qu'elle donne? Tout ce que j'ai appris là-dedans et pourquoi je le recommande à un tel point. Donc, quoi d'autre? Oui, la zone de confort, la peur aussi de vendre, savoir sa propre valeur, toutes ces questions qu'on se pose quand on est tout au début. Et combien de gens ici qui vont écouter donc ma vidéo, combien de gens que je connais autour de moi, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Je sais qu'elles valent de l'or, je sais qu'elles sont précieuses et elles ne se lancent pas. Elle se lance pas, moi, ça me rend triste. Et donc, je sais aussi pourquoi. Donc ça, j'aimerais beaucoup t'encourager avec mes petites vidéos. J'espère que tu vas les écouter. J'espère qu'ils vont t'aider. Tout ça, évidemment, c'est gratuit. Je suis pas un business coach. Qu'est-ce que je te vendrais? Non, moi, si tu veux savoir, si tu ne sais pas déjà, mon business, c'est de travailler avec les femmes pour les connecter au féminin sacré, surtout pour les faire sentir leur chemin et avoir confiance dans leur intuition féminine. Je leur offre la possibilité d'expérimenter une sororité et d'aller vraiment de l'avant et de se rendre compte de la force qu'elles ont, la force féminine. Aussi, ma vision, c'est de vraiment pouvoir donner aux femmes qui ont un cœur en or et qui ont une mission de vie, qui ont une compétence dans quelque chose, de leur donner, de les aider vraiment, vraiment à pouvoir mettre ça dans le monde et prendre les rênes. Ouais. Le monde, il va comme il va et je crois que nous, les femmes, on a besoin d'être au bon endroit pour pouvoir changer les choses. Et ça, je le veux. Je suis persuadée et je le veux. Et si je peux aider d'une manière ou d'une autre toutes les femmes qui sont là, je ne travaille pas avec les hommes, hein, mais ça n'empêche pas ici, si tu écoutes ces vidéos, ça, tu peux écouter aussi. Mais moi, proprement dit, je ne travaille qu'avec les femmes parce que je pense que cette énergie-là, elle est plus que nécessaire à l'heure actuelle. Et cette intuition que nous avons, ça, c'est quelque chose qui va nous relier et qui va, à mon avis, sauver pas mal de choses. Donc voilà, ben ici, comme ça, tu as une idée de ce qui t'attend et j'espère que ça va t'être utile. Je vais maintenant, tout ça, je vais le mettre dans un programme et voir comment je m'organise pour pouvoir te donner toutes ces informations. Au plaisir de te voir ici. Mets un commentaire en dessous. Mets toutes les questions, comme ça je peux y répondre. Et voilà, on peut même faire un interview et des choses. Les possibilités sont larges. Ça se fait, attention, jusqu'à la fin de septembre. Puis c'est fini. Après, je me consacre à 100% à mon propre business qui me donne déjà pas mal de travail. OK, très très belle journée à tout le monde et vraiment au plaisir. Donc voilà, maintenant comme c'est la première fois, je vais voir comment.
Comment je donc je suis en live sur Facebook et comment est-ce que je peux enregistrer ça? Afficher la diffusion sur Facebook. Ok, bon, écoutez, hein. je ne sais pas. Donc là, je suis live sur Facebook et maintenant je dois savoir comment je peux arrêter la diffusion en direct. Ok,